programme en secrétariat qui est beaucoup plus d'actualité. Il comprend 25 compétences. Il dure 1450 heures, donc environ un an et demi. Bien, moi, j'ai choisi secrétariat parce que je suis quelqu'un qui est organisé. J'aime apprendre des nouvelles choses. Je sens vraiment que c'est ma place. Comme la plupart des centres, on offre de l'enseignement individualisé, donc c'est que chaque élève avance à son rythme. Par contre, ce qui fait la différence dans notre centre, ici chez nous, à l'EPM, c'est qu'on offre aussi de l'enseignement en collectif. Donc, c'est que tout le groupe se suit, va au même rythme. Il y a beaucoup d'interactions entre les élèves et entre l'élève et l'enseignant. Mais j'aime que les gens qui sont ici sont là pour les bonnes raisons. Il n'y a personne qui porte de jugement, tout le monde est là pour s'entraider. Il y a des secrétaires dans tous les milieux de travail. Il y a un domaine correspondant à toutes les différentes personnalités. Ce qui est apprécié ici dans l'équipe, c'est, je pense, ma capacité à vraiment approfondir les projets, d'être vraiment perfectionniste, là, surtout avec le DEP. Je me souviens, mes cours de grammaire, là, c'était vraiment très précis. Puis ça m'a beaucoup aidé là, quand j'étais sur ma chaise de travail, parce que ça m'amenait à réaliser des choses qui étaient de bonne qualité. Pour chaque compétence, l'élève va devoir mettre en pratique toutes les notions apprises. Donc, avec cette façon de faire-là, bien souvent, ils sont prêts au marché du travail. Tout ce que j'ai appris, en fait, ça a été appliqué dans mon travail. Que ce soit les logiciels, Microsoft Word, Excel, Access, la gestion du temps, la rédaction. Fait que c'est toutes des choses qui ont été toutes utiles, vraiment, là, dans le bureau. Donc, si vous avez de l'intérêt pour le français et l'informatique, on vous attend en secrétariat.